Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On est dans un petit village de Gaulois, tiens, comme on aime bien le dire, à Audencourt avec Ismaël. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Michel, bonjour, bonsoir également à tous les téléspectateurs du Web Direct. On est connu dans ton village. Tu vois, oui, apparemment, voilà, il y a plein de gens qui passent et qui nous font signe. Alors, on vient de voir, on parle pas d'Astérix et Obélix, hein, mais moi j'adore dire que vous êtes les Gaulois. Vous résistez quand même dans votre village. Hein. Ben, disons qu'effectivement, le petit village d'Audencourt reste à part, même s'il a été rapproché de la ville de Caudry en 1964, et ça fera 60 ans cette année. Et ça tient à cœur, que ce soit Audencourt. Ben, ce n'est pas qu'à moi que ça tient à cœur, ça tient à cœur à tous les habitants de notre petit village qui ont effectivement cette mentalité de leur clocher qu'on peut voir ici, justement sur le côté. Donc il faut venir le voir où je tourne la caméra, mais on ne va pas la tourner. Alors, Alducasse de Saint-Barthélemy, ça dure, ça fait combien d'années? Oh, écoute, plus de 30 ans ou 40 ans, il y avait eu des interruptions, mais auparavant c'était une très grosse foire commerciale et qui a été transformée maintenant, après une période d'interruption, à la Ducasse de la Saint-Barthélemy, comme nous la connaissons à l'heure actuelle. Tu me disais en off, c'est vrai que tu avais inauguré la Web TV. C'était le premier interview qu'on avait fait, alors ça remonte. Mais ouais, ça fait 6 ans, tiens, aussi, j'ai écrit à partager la vidéo que 2018. ça fait 6 ans qu'on existe. Déjà 6 ans, qu'est-ce qu'on vieillit? Alors, un programme chargé, parce que vous faites pas de demi-mesure, hein, ça dure quelques jours. Tout à fait. Bah, écoute, ça va commencer le samedi matin, de très bonne heure, avec la brocante, où les gens pourront déambuler et venir chiner sur la rue Henri Braque, la rue Léonie de Vosser. Il est encore temps de pouvoir s'inscrire, d'accord? Au numéro de téléphone 06 13 21 43 37. Une fois la brocante terminée, eh ben écoute, on va venir faire la fête, le bal du village, qui aura lieu ici derrière nous, dans le chapiteau, comme vous pouvez le voir, où ce sera animé par Destropette avec repas couscous ou paella, sur réservation également. Et en plus, on annonce un temps magnifique. Tout à fait. Et puis, lors de cette soirée, il y aura une animation surprise. Donc, on laisse cette surprise aux gens qui seront à ski, qui viendront manger pour fêter justement les 60 ans du rapprochement avec la ville de Caudry. Je ne vais pas te tirer les vers du nez, il faut venir. Et il y a encore de la place? Un petit peu. Et il n'en reste plus beaucoup, donc dépêchez-vous si vous voulez effectivement venir manger samedi soir. C'est au même numéro que tu viens de donner pour la Tout à brocante? fait, 06 13 21 43 37. Impeccable. Alors dépêchez-vous, en plus vous avez couscous, ça donne envie. Donc ça ne se termine pas le samedi, vu que ça commence le samedi, mais ça continue le dimanche. Tout à fait. Ben, le dimanche, qu'est-ce qui va se passer à partir de 11h? On va déambuler avec l'harmonie municipale dans toutes les rues du village pour réveiller tout le monde. Et les gens qui auront fait la fête tardivement pendant la nuit, on va les obliger, je vais dire, à nous suivre. Et puis un dépôt de gerbe au monument aux morts, ici, qui est juste derrière nous, à côté de l'église. Ensuite, on rentrera à l'intérieur pour un apéritif dansant gratuit. Un spectacle également qui aura lieu l'après-midi, des sosies, donc gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrée, hein, donc vous pouvez venir voir ça ce jour-là, le dimanche. Vous récupérez sur les boissons? On va pas dire ça, je vais dire on offre ce spectacle à qui veut venir le voir, que ce qu'on soit caudrésien ou dans Courtois ou de très loin, vous pouvez venir voir ce spectacle qui sera animé par le Show Dance Forever, qui est une troupe, je vais dire, qui a un professionnalisme et de très beaux artistes dans leurs démonstrations. Le sosie, c'est pas toi, Claude François? Non. J'ai un petit manque de souplesse, en fait. Alors, on pourrait dire, bah, dimanche soir, on remballe tout, c'est terminé, mais non, vous, il y a encore le lundi aussi. Oui, tout à fait. Le lundi va avoir lieu la Coupe du Monde. Non, je plaisante. Un tournoi de foot amateur au Stade Prévert entre les gens d'Audencourt et les gens de Bettencourt. Et puis après, bah, on clôturera cette fête de Saint-Barthélemy à la remise des coupes et puis autour d'un verre avec les équipes. Ça fait 3 journées bien chargées. Bon, c'est plutôt le responsable, tu es responsable de la communication. Tu t'es un peu délesté. Tout à fait, tout à fait. J'ai Paul Rémy, effectivement, maintenant dans sa fonction de président, moi en tant que président honoraire, sur certaines missions qu'il me confie. Voilà. On se repose un peu, mais tu es toujours dans le fin fond de l'histoire. On aide les bonnes âmes maintenant qui continuent, je vais dire, à faire perdurer cette Ducasse. Hein, parce que bah, une personne comme Rémy, je l'ai connu tout petit. Donc maintenant, bah, c'est lui qui est en charge le comité des fêtes d'Audencourt. C'est facile de trouver des bénévoles pour vous aider? Non. Hein, comme on peut le dire, ça devient très compliqué. Mais on y arrive toujours avec les bonnes âmes du village, quoi. Après, on est toujours en phase de recrutement. S'il y a des gens qui veulent rejoindre l'équipe, c'est sans souci. Eh bien Ismaël, je pense qu'on a fait le tour de la fête, comme je dis habituellement, mais ça depuis 6 ans, je te laisse le mot de la fin.
Bah écoute, merci Michel de nous apporter, je vais dire, une visibilité, parce que c'est important qu'on puisse parler des petits événements qu'on organise avec nos petits moyens, dans notre petit village, et ça nous donne une superbe visibilité. Encore merci, et puis merci aux téléspectateurs du Web Direct TV de nous regarder. Merci à toi Ismaël. Alors n'oubliez pas, c'est le 31, le 1er et le 2 septembre. Alors l'important c'est inscrivez-vous à la brocante si vous ne l'avez pas déjà fait. Et il y a toujours du monde à la brocante. Et en plus il va faire bon, parce qu'il y a des années où il pleuvait et là il va faire bon. On a fixé une ligne de conduite, c'est d'avoir du beau temps. Donc on l'a commandé cette année et il sera là. Il sera là, il fera chaud parce qu'il y a une année j'étais venu et il pleuvait bien. Il y a effectivement, parfois le soleil peut pleurer, mais cette année on a commandé le soleil rayonnant. Donc ça, le repas avec Pascal, alors je dis Pascal, c'est son prénom, mais Death Trompette, vous allez, il s'est ambiancé, vous allez vous amuser. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je le répète depuis 6 ans, c'est répétitif, mais je préfère vous le redire, ça sera rediffusé tout à l'heure, et je crois que c'est même diffusé maintenant. Je dis bonjour à Cricri qui vient de le mettre en direct, sur le www.ledirectdewebtv.fr, et on sera tout à l'heure, ça c'est moi, en haute définition, sur notre chaîne YouTube. Ismaël, bonne fête de Dol Ducasse. Merci beaucoup Michel.